bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous, personne d'autre. Affirmatif, personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent se joindre à nous. <laughs> Chers amis, merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux, c'est vraiment apprécié. Ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment, chapeau, travail extraordinaire. J'ai beaucoup, beaucoup de messages et de liens, j'essaie de passer à travers tout. Et merci infiniment de votre collaboration. On est le 12, 12 juin 2019, 23h56 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, c'est tard, mais que voulez-vous, je souffre d'insomnie aujourd'hui, donc j'en profite pour vous retrouver en fin de soirée parce que j'ai été très occupé aujourd'hui et j'ai quelques nouvelles importantes à vous partager, dont un lien qui m'a été envoyé par un abonné que je vous repartage tout de suite. Et avant d'aller dans ce lien-là, je veux vous rappeler que tout est cyclique. Tout est une question de cycle. Et qu'on peut rien y faire. Le temps, les catastrophes, les cataclysmes, les événements sont cycliques. Qu'on le veuille ou non, qu'on veuille réécrire l'histoire, qu'on veuille créer une nouvelle religion, la religion de l'Église verte, tout est cyclique. Ceci étant dit, on y va tout de suite. Les arbres ont parlé, les Romains avait plus chaud que nous en été ça nous vient de Futura Planète c'est un lien qui m'est envoyé on va le lire en entier sans interruption puis après je reviendrai euh, un peu l'analyser la densité du bois au sein des anneaux de croissance des pins scandinaves fournit de nouvelles pardon euh, de nouvelles informations sur notre climat passé les Romains pourraient, par exemple, avoir eu plus chaud que nous durant les mois d'été. La Terre se serait également refroidie durant 2000 ans jusqu'à ce que l'homme commence à libérer massivement des gaz à effet de serre. On peut voir ici des fameux troncs d'arbres. La lecture des différents anneaux de croissance de cet arbre pourrait très certainement fournir des informations précieuses sur le climat entre 1690 et 1740. J'aimerais vous rappeler, avant d'aller plus loin, qu'il y a des périodes de glaciation d'une centaine de milliers d'années. Habituellement, les cycles sont ceux-là. Et c'est souvent euh, interrompu par une période de réchauffement d'une dizaine de milliers d'années. Et après ça, ça reprend. C'est comme ça depuis toujours, et ça sera probablement toujours comme ça. Les anneaux, il y a des époques où il y avait 7, 8, 9 000 particules par million de CO2. Aujourd'hui, on est dans les eaux du 300 à peu près. Comprenez-vous? Les anneaux de croissance observables dans des coupes de troncs d'arbres ou de grosses branches fournissent de précieuses informations sur les différents climats du passé. En effet, leur taille dépend fortement des variations saisonnières de température. Les étés chauds sont par exemple marqués par des cernes plus larges. Grâce à des analyses d'anthrochronologiques réalisées il y a quelques années, des chercheurs avaient démontré que notre climat avait peu changé au cours des deux derniers millénaires avant la révolution industrielle. Une nouvelle étude, toujours basée sur l'analyse des cernes de bois, remet maintenant ce résultat en cause. Selon Jan Esper de la Johannes Gutenberg University en Allemagne, l'hémisphère nord aurait subi un long refroidissement durant près de 2000 ans, approximativement à partir de l'époque romaine. Ces travaux présentés dans la revue Nature Climate Change ont tenu compte de la densité du bois à l'intérieur des anneaux de croissance. Par rapport aux précédentes estimations, l'Angleterre aurait pu profiter d'un climat plus chaud que prévu en été au début de notre ère, ce qui justifierait le succès de la culture des vignes au nord de ce territoire parlé romain. Des carottages ont été réalisés par l'équipe de John Esper sur 537 pins sylvestres vivants ou sur des troncs émergés parfois plus de, de, depuis plus de 1500 ans en Finlande et en Suède. La densité du bois au sein des Cernes a ensuite été mesurée grâce à des techniques radiographiques utilisant des rayons X. On peut voir ici. La courbe des températures. Et euh, à partir de, de quelle année Reconstruction sur base de données dendrochronologiques des anomalies thermiques moyennes des mois de juin, juillet et août, depuis moins 138 ans avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, en bleu et par rapport à un point de référence qui correspond à la moyenne des températures des mois d'été mesurées entre 1951 et 1980, l'échelle des données. Le trait noir représente l'évolution moyenne du climat à l'échelle de la décennie ou du centenaire. Cet ajustement met en évidence des périodes chaudes et froides. La ligne en pointillé rouge présente la tendance au refroidissement de l'hémisphère nord en été durant les 2000 ans qui ont précédé la révolution industrielle. La reconstitution des températures d'été entre juin et août a mis en évidence une succession de périodes chaudes, époque romaine et médiévale, et froides au 6e, 14e siècle. Le climat aurait donc davantage varié dans le passé par rapport aux prédictions établies notamment par Michael Mann de la Pennsylvanie avec son, fameuse, son fameux graphique de la crosse de hockey qui était complètement biaisé et qui était fait sur des projections complètement fausses. Entre les années 21 et 50 après Jésus-Christ, la température d'été moyenne de la Scandinavie devrait être supérieure de 1,5 degré par rapport à celle mesurée entre 1951 et 1980. Cette différence s'élèverait même à 2 degrés si l'on compare l'époque romaine la plus chaude au cours de ces deux derniers millénaires avant les, avec les années 1900, euh, 1800, 1451 pardon, et 1400. 80. Une tendance au refroidissement de la planète depuis le début de notre ère avait déjà été soulignée par des chercheurs, essentiellement par Darrell Kaufman en 2009, qui a analysé l'air emprisonné au cours du temps dans les glaces de l'Arctique. Selon lui, la température de la Terre diminuait de 21 dixièmes de degré par millénaire depuis 2000, avant que la révolution industrielle ne, ne survienne. John Esper a confirmé cette tendance, mais le chiffre qu'il avance est beaucoup plus important. Trois dixièmes de degré par millénaire. Au oh, trois dixièmes de degré, ce refroidissement général serait attribué à des modifications du taux d'ensoleillement de l'hémisphère nord. Environ moins 6. La donnée, moins euh, 6 par mètre carré depuis le début de notre ère. Et donc, à des modifications connues de différents paramètres astronomiques dits de Milankovitch de notre planète, son obliquité, son excentricité et sa précession. Selon l'auteur, les autres facteurs de forçage ne peuvent en effet pas expliquer l'amplitude des variations observées. Cette étude conforte également une autre hypothèse des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, massive depuis le début de l'ère industrielle, pourraient avoir interrompu l'arrivée de la prochaine ère glaciaire en mettant fin au refroidissement de la moitié nord de la planète. L'homme aurait donc retardé la prochaine glaciation. Cette interprétation serait cependant remise en cause par plusieurs scientifiques qui rappellent que les mesures ont été prises à des hautes altitudes et qu'elles ne concernent que des températures estivales. Certaines interprétations auraient pu, selon eux, être exagérées, oui, parce que ça ne tient pas debout. Mais il y a beaucoup d'éléments intéressants dans cet article-là, et c'est surtout celui du cycle. Tout est cyclique. Et avec les minimums et grands minimums solaires, on se rend compte que. C'est des périodes de 400 ans. Le grand minimum solaire, on peut le retrouver à toutes les 400 ans. C'est ce qui fait dire à plusieurs qu'on est dans un grand minimum solaire, parce que son cycle est de 400 ans à peu près. À l'époque des Romains, il faisait plus chaud, il n'y avait pas d'industrialisation. Tout est vraiment bien expliqué relativement à la logique des cycles. C'est vraiment très cyclique. Le temps est vraiment très cyclique et on ne peut pas... Continuez à toujours attribuer ce qui se passe au changement, euh, à la crise ou euh, au réchauffement climatique. À chaque fois qu'il pleut, c'est à cause du réchauffement climatique. À chaque fois qu'il neige, c'est à cause du réchauffement climatique. Et ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment donné, c'est juste la température. Là, et c'est juste des cycles. Il faut vraiment en revenir.